Cinquantaine solide, dans la force de l'âge, pas timide du tout. Lui quitte son bureau chaque soir à 5h30 précise, et puis avant de partir, évidemment, il dit bonsoir à sa secrétaire. Bonsoir, ma chérie. À demain. Puis après, il rentre chez lui. Il a retrouvé sa femme. Et sa femme, c'est pas du tout le même genre que la secrétaire, mais attention, c'est une maligne. Elle cache son jeu, elle. Lui, pour faire transition en sortant du bureau, il retrouve quelques copains au bistrot du coin, il fait une petite partie de 421 ou de bidou ou de poker monteur, puis sur le coup de 8h30, 9h moins le quart, il n'y a pas le feu à la baraque, il rentre chez lui et là, quand il arrive dans le vestibule, il veut avoir l'air rassuré, détendu, il appelle sa femme, ça donne à peu près ça. Chérie, ma petite chérie, nounoune, où est ma nounoune? Isabelle, Zabé, Zabo. Tiens, bizarre. Ouais, peut-être été voir sa mère, ou alors elle est en nocturne au bazar de l'hôtel de ville avec sa copine. C'est leur dernière, pas mal, ça allait nocturne. Enfin, restons calmes. Restons calmes. D'ailleurs, je ne m'énerve jamais. Je ne m'énerve jamais, et pourtant, et pourtant. Imbécile-là ne rentre pas dîner sans même s'expliquer. C'est son truc favori d'arriver à minuit en me disant chérie que je suis étourdi. Et elle a dû oublier. Elle a dû oublier. Ah, vraiment, vraiment, ça c'est trop bête. Enfin, où donc appelle la tête? Première fois que je mange des petits pois devant la télévision, je trouve le temps long, je tourne dans tous les coins, j'ouvre tous mes bouquins, mais je n'en lis pas un, ça m'agace à la fin. Elle a dû oublier, tiens, elle a dû oublier, tiens, ouais, moi ça c'est trop bête, enfin où donc a-t-elle la tête? Demandez à son amie Lulu, peut-être qu'elle me dirait si ce soir elle l'a vu, à moins qu'elle n'ait passé chez sa mère la soirée, comme samedi dernier, quand elle n'est pas rentrée du tout. La pauvre, elle avait complètement oublié. Elle avait oublié. Oh, ah, vraiment, vraiment, ça fait mal. Bon, enfin, où donc a-t-elle la tête? D'un dîner, tu parles d'une soirée. Ah, je suis bien loti avec cette souris qui m'appelle son piqué, son amour adoré, et qui me laisse tomber sans même téléphoner, rien. Elle aura oublié, elle aura oublié, et que ce soir tous les deux, nous devions dîner en amoureux du parent. Voiture noire depuis une heure en bas, qui a l'air sur le départ et qui ne s'en va pas. Voilà qu'elle en descend. Et alors, elle fait du stop maintenant. Elle embrasse le gars et ça n'en finit pas. Elle a dû m'oublier.